Alors, mes amours, comment allez-vous? J'espère que bien. Moi, je vais bien et je remercie déjà tous mes abonnés et protégés du Sénégal. Ça a été vraiment, vraiment formidable, malgré que je n'ai pas duré. Il n'y a fait que 5 jours, mais c'était très bien. Vraiment, mes amours, je vous fais un gros coucou, coucou, coucou dans votre position où vous trouvez. Et je fais un très gros coucou, un très gros câlin à ma maman du niveau du Dakar. Maman, tu me manques déjà. Et mes soeurs aussi, vous manquez déjà. Inch'Allah, on se réveillera. Tout va bien. Ok. Mes amours, déjà, aujourd'hui, on va parler un peu de la formation. Parce que le cabinet a deux formations. Il y a celui que j'ai mis, c'est à 5 000 francs de formation. Il y a ça et il y a celui qui commence dans le mois de juillet. Le mois de juillet, vous aurez une formation d'un mois, ça veut dire tous les week-ends. Et il y a 5 samedis dans le mois de juillet. Donc, les 5 samedis, vous allez faire la formation. Mais là, c'est la formation de praticien, naturopathe, si on veut dire, herboriste, si on veut dire. Mais c'est pareil, quoi, ça revient au même. Et ça, c'est cette formation. Maintenant, celui de 55 euros, là, c'est un autre cas. Parce que c'est. Non, pas euros. Pourquoi je parle toujours en euros, moi? C'est un 5 000 francs CFA. C'est une autre formation qui n'a rien à voir avec celui-là. Celui-là, pourquoi 150 000? Vous aurez droit à un livre et qui contient toutes les plantes que moi j'utilise, les noms. Que j'utilise et le nom scientifique pour que vous puissiez après vous retrouver avec tout ce que vous voulez comme les recettes quand vous serez chez vous. Et il aura ça, il aura le kit journal Maman Fatou qui sera dedans. Ça veut dire que dès que vous êtes inscrit, vous êtes déjà automatiquement mais protégé et privilégié parce que vous faites la formation. Et en plus de cela, vous aurez en fin de formation votre attestation qui va vous permettre on dit quoi, d'exercer le métier de naturopathe. Voilà. Donc, 150 000, c'est pas beaucoup. Avec tout ce qu'on va vous apporter, c'est pas beaucoup du tout parce qu'on a du module 1 au module 10. Et tout est déjà bien clair sur. La publication, je pense. Maintenant, l'autre, ça, ce n'est pas une formation, mais c'est l'initiation. Et quand on dit initiation, on dit beaucoup d'argent. L'initiation, et 55 000, c'est l'inscription. Tu vas t'inscrire. Maintenant, quand tu es apte, quand tu es choisi, il y a beaucoup de choses que tu dois envoyer pour être initié. OK? Et quand on dit initié, ça veut dire que tu dépasses le cap du tradit praticien, tu vas au-delà du tradit praticien. Voilà. Donc, ne confondez pas. Et je suis là. Si vous êtes intéressé, il faut que vous appelez le cabinet et que vous acquittez déjà de votre droit d'inscription pour la formation qui commence le premier samedi du mois de juillet. Donc, appelez le cabinet. On a bien dit, ceux qui viennent physiquement feront leur formation le samedi. Et sur Zoom ou bien, en tout cas, les canaux de vidéo, là, et ça sera le dimanche. Donc, voilà, là, c'est tellement clair, c'est simple et clair. Voilà, donc, vous pouvez appeler déjà le cabinet 00225 07 97 36. 1781. Vous appelez le cabinet et vous allez vous acquitter de votre formation parce que les places sont limitées. On ne prend pas beaucoup de personnes. Voilà. Donc, c'était ça. OK? Maintenant, il y a beaucoup qui veulent se faire initier. Déjà, pour être initié chez moi, Maman Fatou, il faudrait que tu aies déjà des dons. Quand on dit des dons, c'est quoi? C'est déjà, il faut que tu aies des djinns qui. On appelle ça comment? Des esprits. Ça veut dire, quand on dit esprit, il y a des personnes qui ont des visions. Parce que l'esprit te permet l'esprit te permet de voir ce que les autres ne peuvent pas voir.
ou bien tu as le don de la guérison. Il y a ça. Ou tu as les dons de la protection. En tout cas, chacun vient avec son don. Et pour cela, quand vous venez vous inscrire, je dois regarder tout ça. C'est à partir de là maintenant que je décide de vous protéger et de vous initier. Parce que n'oubliez pas que quand vous vous faites initier par quelqu'un, par un spiritualiste, vous êtes lié à vie. Parce que c'est comme à travers vous qui l'a initié, vous êtes le miroir. Parce que si vous allez exercer votre métier, que vous ne faites pas de bonnes choses, ça reflète sur lui parce qu'on dit c'est son filleul. C'est lui qui l'a initié, c'est son protégé, donc ça devient son affaire à lui. Donc pour cela, je ne prends pas les gens comme cela. Tout doit être bien fait avant que vous soyez initié chez moi. Et la question vient à chaque fois pour dire, ah maman, il paraît que quand tu es un spiritualiste, même si tu es fort comment, tu ne peux pas t'aider toi-même, tu ne peux pas aider ta famille et que toi, tout va bien, tout le reste devient misérable. Bon, c'est une manière de vous encourager, moi je pense. C'est une manière de vous encourager à venir chez eux. Chez nous, si on veut voir. Parce que si je peux vous aider à devenir ce que vous devez devenir, je crois que je peux aussi m'aider à devenir ce que je veux devenir. Pourquoi? Parce que si, même si moi je fais sûrement que ça ne va pas marcher, mais j'ai des collègues, non? Un spirituel, il ne travaille pas seul. On a toujours des gens. Déjà, on a des parrains. Le parrain, il peut faire pour nous. Déjà, on a des collaborateurs. Eux peuvent faire pour nous et nous aussi, vice-versa, on fait pour eux. Donc, quand un spiritualiste vous dit non, que je peux vous travailler pour vous, vous arranger, mais pour moi, ça ne va pas marcher, pour ma famille, ne va pas marcher, prenez vos quatre pieds et continuez votre chemin. Donc, mes amours, venez vous inscrire, on va commencer la formation. OK. On va commencer la formation, venez vous inscrire. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous donner. Il y a des personnes qui disent que, ah, car tout ce que j'entreprends ne marche pas. J'entreprends aujourd'hui, rien ne marche. Je me suis acheté une voiture pour faire. On appelle ça comment? Les Woro Woro, Lubaka, tout ça. Mais mon véhicule est toujours au garage. Ou bien il y a toujours un problème. Vous allez chercher l'huile rouge. Oui, l'huile de palme rouge. Les bons, hein, pas ce qui est mélangé. Vous allez prendre et vous allez dire tout ce que vous endurez sur ce véhicule. Vous allez dire tout ce qui ne va pas dans votre vie. Et vous allez verser l'huile de palme rouge là sur les quatre roues de vos véhicules. Si c'est le moteur qui a un problème, vous parlez à l'huile rouge. Je veux retrouver mon argent. Je veux que ma voiture se roule comme pour les autres. Je veux plus avoir de panne. S'il te plaît, aide-moi. L'huile rouge, c'est un truc très puissant. C'est un ingrédient très, très, très puissant. Dans ces jours à venir, je vais vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos avec l'huile rouge. C'est simple, chacun a ça dans sa cuisine. En tout cas, la plupart de tout le monde a une bouteille d'huile rouge dans sa cuisine. Et cette bouteille d'huile rouge peut changer ta vie. C'est simple, hein? C'est très simple. Il n'y a rien de mystère dans tout ce qu'on fait. C'est nous-mêmes, les spiritualistes, qui voulons ça mystérieux. Sinon, il n'y a rien de mystère. C'est la nature que Dieu a donnée et c'est fait comme ça. OK? Vous allez chercher votre huile rouge et vous dites ce que vous voulez dessus. Parce que la plupart, vous, ceux qui sont allés peut-être chez les spiritualistes, féticheurs et autres, quand on te donne un truc du pouvoir, de la parole, on te dit, quand tu as fini d'utiliser pour faire ce que tu as envie de faire, prends l'huile rouge pour tuer la puissance. L'huile rouge tue les trucs maléfiques.
Donc, ayez l'huile rouge chez vous et utilisez quand vous avez vraiment besoin. Ne le faites pas parce que Maman Fatou a dit donc chaque seconde, vous allez le faire. Non, vous le faites réellement quand c'est vraiment important. Mes amours, je n'ai pas vous appeler pour plus de renseignements sur la formation. Elle va se dérouler à partir de la première semaine du mois de juillet. Ok? Je vous adore et je fais un gros, gros, gros bisou à mes abonnés protégés de Dakar. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Et mes amours du Togo, je viendrai chez vous, Inch'Allah. Mais je m'apprête un peu parce que je suis un peu fatiguée. Donc, n'oubliez pas de partager la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. À très bientôt. Bisous.